ça y est. Donc on vient de mettre tous les bois, donc tous les grands bois, là, on les a superposés, et après ils sont venus visser. Pour moi ça évite qu'ils tournent comme ça. Là, on a mis les tiges avec les rondelles, on a mis les bois là, tous les bois, surtout les plots, voilà, la structure est quasiment finie. Il ne manquera plus qu'un petit bois de là jusqu'à là, et de là jusqu'à là, que là il y aura un petit massif. Alors voilà, une fois qu'on a fini de mettre les gros bois, on va mettre une petite protection avec du goudron liquide. Là, vous voyez, imperméabilisation et protection des fondations. Donc ça s'applique à la truelle, comme ça, et là on viendra mettre deux couches afin de bien protéger le dessus du bois. Les encadrements là et là autour des arbres. Alors, faire des angles comme ça là. Puis un biseau, le bois comme ça. Vous allez juste faire un petit trait et avec cet appareil là, on va reporter. Là, on vient prendre la coupe dessous. Voilà, on va juste venir reporter la coupe, voilà, comme ça. On trace et là vous avez le biseau. Après, une fois qu'on a mis tous les bois, on vient couper les bois donc de l'intervalle 45 et on viendra le fixer là comme ça. Tant que les bois travaillent en longueur, qui fasse l'arrondi comme ça là. Bon, il va se prendre toujours à 45 pour assurer le même espacement. On va mettre en avant, en avant, en avant, en avant.